Esaïe, au chapitre 62 Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume, alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. sera une couronne éclatante, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui rappelez le souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laisser aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablit Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel a juré par sa droite et par son bras puissant je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin. À la même manière, Seigneur, permets-nous par ta grâce de ne point nous relâcher, Seigneur, dans le fait d'annoncer ta parole, d'annoncer ton évangile, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, afin que le plus grand nombre puisse être sauvé. Amen produit de tes labeurs, mais ceux qui ont amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui ont récolté le vin le boiront. Dans les parvis de mon sanctuaire, franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera Rechercher, ville non délaissée. Amen.